Bonjour, bienvenue sur Mon Financier. Wall Street a fini en légère hausse hier soir. Les indicateurs économiques ont permis de soutenir la tendance sans pour autant apporter au marché l'impulsion nécessaire pour revisiter les records atteints la semaine dernière. Le Dow Jones termine quand même en territoire positif, en hausse symbolique de 0,06%. On est autour des 16 543 points. Le S&P 500 grappille de son côté 0,24% à 1892 points, alors que le Nasdaq composite avancé de son côté de 0,55% à 4154 points. En Asie, eh bien, les marchés clôturent également dans le vert. On a par exemple Tokyo qui s'adjuge 0,87% à 14 462 points. Tokyo qui a été soutenu par un affaiblissement du yen. Ailleurs, Hong Kong est stable. Shanghai grappille 0,38%. Taïwan plus 0,43%. Bombay 0,67%. Enfin, Séoul et Sydney s'adjugent respectivement 0,54% et 0,23%. Et puis du côté de la préouverture, eh bien les marchés européens devraient ouvrir en très légère hausse, même si les investisseurs vont rester prudents avant les élections pour le Parlement européen qui ont lieu eh bien, tout au long de la semaine pour se terminer dimanche prochain. Et puis à noter que le CAC, lui, devrait ouvrir à l'équilibre en baisse symbolique de 0,01% autour des 4452 points. Voilà ce qu'on peut dire avant l'ouverture. Restez avec nous. Très bonne journée.